I declare that you will receive a special favor from God. Bénédiction spéciale du Seigneur. Amen. Amen. Today, the title of my message is. Aujourd'hui, le titre de mon message est. Your time, ton temps, has come, est venu, to receive God's special blessing, pour recevoir une bénédiction spéciale venant de Dieu. That the next person to you. Des bénédictions spéciales. Your time. C'est le temps. Has come. Le temps est venu. To receive. Pour recevoir. God's special blessing. Les bénédictions spéciales. You should be excited today. Amen. Because today, God is going to give you a special blessing. Parce que Dieu aujourd'hui va te donner une bénédiction spéciale. Amen. Amen. So we're going to read the scripture. Alors nous allons lire l'écriture. How special it is. Qu'est-ce qui est spécial? Let's turn our Bible in the book of Leviticus. Nous allons prendre le livre. If you have a Bible, read it by yourself. And if you don't have the Bible, there's a projector especially for you. Si tu as une Bible, tu peux le lire toi-même. Sinon, tu peux regarder le projecteur. C'est pour toi. Amen. So let's read. And if you say, "What shall we eat in the seventh year, if we are not to sow or gather in our increase?" Then this is my answer. I will command my special blessing on you in the sixth year, so that it shall bring forth sufficient fruit for 3 years. And you shall sow in the eighth year, but eat of the old store of the produce until the crops of the ninth year come in, you shall eat the old supply. There's a French brother. Yes, peut-être direz-vous. Si vous dites, que mangerons-nous la septième année? Oui. Si vous dites, que mangerons-nous la septième année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction. Ma bénédiction la sixième année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la huitième année et vous mangerez de l'ancienne récolte. Jusque la neuvième année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Amen. Amen. Did you understand the word? Amen. Nous allons comprendre la parole. Let's go back to the English. Alors nous revenons à l'anglais. Now it says, if you are going to study the book of Leviticus, cela dit que si tu commences à étudier le livre des Lévitiques, if you are going to read back the first verse, tu vas lire les premiers versets. God is giving an instruction to Moses. Dieu donne une instruction à Moïse. At the Mount Sinai, sur le mont Sinaï. He said, il dit, tell the Israelites, il dit aux Israélites, I have a special instruction. J'ai une instruction spéciale. He said in verse 2, il dit au verset 2, when you enter the land, I am going to give you, quand tu vas entrer dans le pays, je vais te donner, you must observe a Sabbath to the Lord. Tu vas devoir observer un jour de repos, un sabbat pour le Seigneur. Now this is not just an ordinary Sabbath. Ce n'est pas un sabbat ordinaire. But it is a Sabbath year, the whole year. C'est un sabbat pour une année, toute une année. Now he said, alors il dit, if you are going to obey me, si tu vas me obéir, I'm going to bless you. Je vais te bénir. Now in this verse, dans ce verset, now if you, everyone look at me, tu regardes avec moi, it's not easy, ce n'est pas facile, not to work for the whole year, de ne pas travailler pendant une année. Yes. Isn't it? His instruction, and then he said, and if you say, et si tu dis, what shall we eat in the seventh year? Qu'est-ce qu'on va manger dans cette prochaine année? If we are not to sow or gather in our increase. Et si maintenant, si nous ne semons pas et si nous ne rassemblons pas? Then the Lord answered. He said, this is my answer. Mais voici ma réponse. I will command my special blessing. Je vais commander, ordonner ma bénédiction spéciale on you, sur toi. In the sixth year, dans les 6 années, so that it shall bring forth sufficient fruit,
alors ça va te donner suffisamment de fruits. For 3 years. Pour 3 années. And you shall sow in the 8th year. Et tu vas pouvoir semer. But eat of the old store of the produce. Dans la 8e année, et tu pourras manger de l'ancienne production. Until the crops of the 9th year comes in you shall eat of the old supply. Jusqu'à ce que il y a la récolte la 9e année, et alors tu auras de nouveau l'ancienne. Then the next person to you. Et ce sera aussi pour toi. The Lord, le Seigneur, will command. Va commander. It's a special blessing. Une bénédiction to you. Pour toi. Then the next person next to you. Repeat it again. The Lord, le Seigneur, will command. Va commander. It's a special blessing. Sa bénédiction spéciale to you. To you. Amen. Amen. You should convince the brother or the sister next to you. Now. So, moi c'est pour toi. Amen. I made an illustration. Je vais faire une illustration. There are 3 illustrations. Trois illustrations. Let's just examine the. Regardons, examinons. The Israelites is coming to going into the promised land in the year 2007. Ils vont rentrer dans le pays promis. And the Lord said. Et le Seigneur dit. When you enter the land. In the year 2007, et tu vas pour les 7 années. No. On the 6th year, la 6e année, which is 2012, I'm declaring it today. Et dire aujourd'hui, tu vas déclarer aujourd'hui. So 6 years they will be working. Pendant 6 ans, travailler. 6 years you will be working. Pendant 6 ans, tu vas travailler. And he said to the Israelites. On the 6th year, il va dire aux Israélites pendant. I will send my special blessing to you. Amen. Je vais donner une bénédiction spéciale. And that special blessing. Et cette bénédiction spéciale. He said, you don't need to work on the 7th year. Amen. Tu n'auras pas besoin de travailler. Stop working on the 7th year. Arrête de travailler. He was telling it to the Israelites. Année, il l'a dit aux Israélites. Because the blessing I'm going to give you on the 6th year. Parce que la bénédiction que je vais te donner pendant les 6 années. It will cover for 3 years. Amen. Yeah. You understand the blessing of the Lord. Comprends la bénédiction de Dieu. You are working for 6 years. Tu travailles pendant 6 ans. But the fruit of the 6 year will produce 3 years for you. Amen. La production des 6 ans va produire 3 années. 3 ans sans travailler. De plus pour toi. It means you, if God will going to bless this year for you. Et si Dieu va bénir cette année pour toi. You will have so much blessing that will reach to 2015. So the promise of God said. La promesse de Dieu dit. Since you do not plant on 2013, which is your seventh year. Pendant ces tu ne dois pas travailler la 7e année. By the time you plant on 2014, mais quand tu vas planter durant ces 6 années, you still be eating the blessing that I have given you on 2012. Amen. Tu vas recevoir la bénédiction. That's the promise of God. De avant, c'est la bénédiction. Now the 3rd year, which is 2015. En 2015, when you plant les 3 années de bénédiction, when you plant on 2015, quand si tu as plantes planté en 2015, you will still be eating the blessing that has given to you on 2012. Tu vas recevoir et pouvoir manger la bénédiction des années précédentes. Un psalm you might calculate. C'est pas possible. Et certains peuvent penser que ce n'est pas possible. The Lord, our God says nothing is impossible with me. Le Seigneur dit, rien n'est impossible. All things are possible to me. Toutes choses sont possibles. Now, maybe 90% of you will calculate, oh, it's not possible. Peut-être qu'il y en a qui calculent et disent, ce n'est pas possible. If you cannot settle the 3 years, I'm giving you the months. Je vais te donner un but mois. But I'm settling myself for 3 years. Et je vais te donner pour 3 ans. Let's forward, Pastor Alain. I'm giving you an illustration in order for you to understand clearly. Je vais vous donner une autre illustration. Pour, if you are working since January, si tu travailles au mois de janvier, at the end of month of June, it's your 6 months. Et on va compter 6 mois. Le mois de juin, c'est le 6e mois.
And then on the seventh month, which is July, the Lord said, "No, don't, you don't need to work on July." Et le septième mois, tu n'auras pas à travailler, tu as la bénédiction. Because it's Sabbath for me. Parce que c'est le temps du sabbat, du repos. But on the month of June, mais le mois de juin, I will bless your crops. Je vais bénir ta récolte. I will bless your work. Je vais bénir ton travail. That you will harvest it until the month of September. Oh, hallelujah! Jusqu'au mois de septembre. Because if you cannot manage to receive the 3 years, I'm telling you, if you believe in months, you can only have the months. Ainsi, tu vas pouvoir recevoir la bénédiction. But if you settle for years, it will be for you for the years. Ce sera pour toute l'année. So he said, at the month of August, au mois d'août, when you plant, quand tu vas planter, when you work, quand tu vas travailler, the blessing that you are eating, la bénédiction que tu vas manger, still comes from the month of June. Vient encore du mois de juin. You will have sufficient enough for you. Tu as suffisamment, abondamment pour toi. By the time it reaches to the month of September, the third month. Et jusqu'au mois de septembre, you will still be eating the blessing that God has given you in the month of June. Tu vas encore manger la bénédiction que tu as eu du mois de juin. How many of you is believing for this? Qui veut croire cela? Qui croit cela? How many of you will believe the 3 years abundance in your life? Trois années d'abondance. Now you have to choose which one you like. You're believing for 3 months provision. You're believing for 3 months provision. Pour 3 mois de bénédiction. Or you will be believing for 3 years provision. Amen. Pour 3 ans de bénédiction. Now, I asked my wife early this morning. J'ai demandé à ma femme. It was several. It was 2 years. It was 2 years ago. Or several years passed by. Quelques three années. Years, nearly 3 years. Trois années. There was one person, her employer. Il y avait une personne, un employeur. We were able to experience this one. Nous avons expérimenté cela. 3 months, more than 3 months provision. Plus de 3 mois de provision. Her employer blessed her. He works just. Notre employeur nous a béni. Few months, for example, 2 weeks. Par exemple, 2 semaines. She gave her 8,000. 5,000. And we calculated 5,000. And we were able to calculate that within that blessing that her employer has given to her, et cette bénédiction que nous avons reçue de l'employeur, is not less than 22,000 euros. Plus que 22,000 euros in just a period of 1 month or so. Dans la période d'un mois, reçu toute cette bénédiction, not less than 22,000 euros. It was happening to us. Et cela nous parle. Cela nous est arrivé. If it happened to us, cela nous est arrivé. It will also happen to you. Cela va aussi t'arriver. Because the God I serve, parce que le Dieu que je sers, is the same God you serve. C'est le même Dieu que tu sers. It's just about your faith if it will going to happen to you. Alors c'est selon ta foi, cela va t'arriver. Now. Some of you, certains d'entre vous, will think, oh, c'est pas possible, pasteur. Vont penser, oh, ce n'est pas possible. I'm going into the third level. Je vais penser le trois niveaux, trois mois. Consider the days. Il y a troisième jour. If you can settle the blessing for 3 years. Si tu peux donner la bénédiction pour 3 ans. If you won't believe the blessing for 3 months. Tu peux donner la bénédiction pour 3 mois. Then you better start believing for 3 days. Tu peux donner la bénédiction pour 3 jours. How many of you want 3 days? No. Nobody wants 3 days. Tu veux 3 jours. Personne ne veut seulement 3 jours. But everyone look at me. Mais avec moi. Many of you are working for days. Si nous travaillons pour les jours. And the Lord said, you have to work. Et le Seigneur te dit, tu veux travailler. Monday to Saturday. De lundi à samedi. But you don't need to work on Sunday. Mais tu n'as pas besoin de travailler le dimanche. God is just asking him. God is asking the Israelites not to work for the seventh year. Dieu te demande de ne pas travailler pour la septième année. But now. The Lord is asking you not to work on the seventh day. Mais maintenant le Seigneur te demande de ne pas travailler le septième jour. And many of you are still working on the seventh day.
Et beaucoup ils travaillent le dimanche. You are not honoring the Lord during the seventh day. Et tu ne honores pas le Seigneur le dimanche, le septième jour. Because if you are going to believe the word of God, mais si tu vas croire la parole de Dieu, instead of working on the seventh day, ainsi travailler le dimanche, to earn more money, pour gagner plus d'argent, forget about it. C'est pas comme ça que tu vas recevoir. It will not work. Cela ne marche pas. God said on the sixth day. Dieu dit dans le sixième jour, which is Saturday, qui est samedi. Even if you only work half day. Si tu seulement half day, travailles la moitié d'une journée, even if you only work 2 hours, et si tu travailles seulement 2 heures, I can send a special blessing to you. Je peux te donner une bénédiction spéciale. Don't just work during Sunday, mais le dimanche, because I can bless you on Saturday. Et la bénédiction c'est pour le samedi, and that blessing will reach until Tuesday. Et va continuer jusqu'au lundi. Alléluia. Alléluia. So you don't need to worry about working during Sunday. Alors tu n'as pas à te faire de soucis pour travailler le dimanche. Amen. Because he can bless you during Saturdays for 3 days expansion. Parce qu'il peut te bénir pour 3 jours, pour la durée de 3 jours. Du samedi à lundi. Du samedi à lundi. When I was still working at the salon coiffure. Quelqu'un travaille au salon de coiffure. Il travaillait. Pasteur. We don't work Monday. Nous ne travaillons pas le lundi. We don't work Saturday, Sunday. Nous ne travaillons pas le dimanche. So it's vacation for us. C'est un temps de vacances. So what the Lord did for us? Ce que le Seigneur a fait pour nous. He sent me a special blessing on Saturday. Il m'a envoyé une bénédiction spéciale le samedi. Hundreds of euros. 100 euros. That will cover 3 days for our expenses. Qui couvrait plusieurs jours. Je n'avais pas besoin de travailler. I did not bother myself to work on Sunday and Monday. Je n'avais pas à m'appliquer à travailler le dimanche et le lundi. Because God has already blessing us Monday until Saturday. Parce que Dieu avait déjà béni du lundi au samedi. And there is a special blessing on Saturday. Et il y a une bénédiction spéciale le samedi. Now everyone look at me. Alors, regardez-moi. You have 3 options. Il y a 3 possibilités. You want the three days blessing? Vous voulez la bénédiction de 3 jours? You believe for 3 months blessing? Vous voulez la bénédiction de 3 mois? Or you believe for 3 years blessing? Because in the book of Leviticus, the promise of God is, I will bless you for 3 years. Parce que dans le livre de Lévitique, la promesse de Dieu est une bénédiction de 3 ans. I'm just bargaining you with 3 months and 3 days. So, je enlève les 3 mois, les 3 jours. Because your mind will calculate, if I don't work for the seventh year, we will die, nothing. Et parce qu'on pourrait penser, si je ne travaille pas la 7e année, c'est vrai? Mauvais. But if you are serving the living God, even if you don't work for the seventh year, God will bless you on the sixth year abundantly. Mais si tu ne travailles, si en servant le Dieu vivant et vrai, tu ne travailles pas la 7e année, Dieu il peut te remplir de la bénédiction la 6e année. It's time for you to change your mindset. Il faut changer la façon de penser de ton esprit. That God cannot only bless you for days. Parce que Dieu peut te bénir pas seulement pour quelques jours. He cannot only bless you for 3 months. Il peut non seulement te bénir pour 3 mois. But he can bless you for the whole 3 years if you believe His word. Il peut te bénir pour les 3 années. Pour les 3 années. Amen. Hallelujah. I'm challenging you to do this Leviticus 25. Je t'encourage. Je te mets au défi. But I'm not telling you to resign on the seventh year. Pour ne pas travailler la 7e année. Because if you will resign on seventh year and you don't have work. Parce que si tu travailles la 7e année. If you will resign on the seventh year. Si tu te reposes la 7e année. Then you have nothing to receive. Tu n'as rien à recevoir. But make sure on the sixth year of your in the sixth year. Mais les 6 ans avant. You will receive the 3 years provision. Tu vas recevoir les provisions de 3 ans. Then on the seventh year qui suivent, you will honor God
with your provision. Et alors tu pourras honorer Dieu, remercier Dieu avec ce qu'il t'a donné. Amen. Parce qu'il y a le jour du sabbat et le jour du repos. It means that the 6 years of your life will be so much blessings that you don't have enough room for it. Les 6 années de bénédiction seront tellement grandes que tu n'auras pas assez de place pour être les bénédictions. On the seventh year, ce n'est pas assez grand. On the seventh year, you need only to worship God. Et la 7e année seulement, tu as besoin de remercier you Dieu. You go to the beaches, you want pas soleil, soleil. Tu vas dire soleil, soleil. Merci Seigneur. You will be provided for 3 years. Parce que Dieu est pourvu pour 3 ans de plus. But it will not happen if you will doubt in your mind. Mais ça n'arrivera pas si tu doutes, si tu as le doute dans ton esprit. Si you have to believe in your heart. Tu as besoin de croire dans ton cœur. But I'm not forcing you to believe 3 years. Je ne te force pas à croire pour 3 ans. You better start with 3 days. Tu peux commencer pour 3 jours. When God provide you with 3 days. Que Dieu il pourvoit pour 3 jours. It means He will also provide you for 3 months. Comme il peut pourvoir pour 3 jours, il peut aussi pour 3 mois. Then if God will provide you for 3 months, it means He will also provide you for 3 years. Comme il pourvoit pour 3 mois, alors il est tout capable, tout puissant. My wife and I were already experiencing the 3 days provision. Ma femme, elle a reçu pour 3 jours de bénédiction, de provision. We already experienced the 3 months provision. Nous avons expérimenté les 3 mois de provision. And now we are believing for the 3 years provision. Amen. It will be our provision. It will be our next testimony. Ça va être le prochain témoignage. Ça sera le prochain témoignage. Amen. Because I'm challenging you to believe God. Ainsi, je vous mets au défi de croire à Dieu. Because if you only believe for small, si vous croyez seulement pour un tout petit peu, you cannot bless others. Tu ne peux pas bénir les autres. If God will bless us, each one of us will bless 3 years. Et si Dieu nous bénit chacun pour 3 années de provision, we will be able to buy this church. Because nothing is impossible without God. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Don't just ask thousand. Alors demande des centaines, des milliers, des milliers. Ask for millions. Ne demande pas seulement les milliers, demande les millions. It was just last December. C'était seulement en décembre dernier. I asked the Lord for 10,000 euros. J'ai demandé au Seigneur 10 000 euros. For my vacation. Pour mes vacances, mon temps de repos. And he gave me 10,000 euros. Et il m'a donné 10 000 euros. Now it's finished with 10,000. Alors c'est fini pour 10 000 euros. We're believing now for millions. Amen. But we have started with 10 euros. Nous avons commencé avec 10 euros. Lord, give me 10 euros to buy pampers for my daughter. Et Dieu m'a donné pour acheter un. I believe it for 10 euros before 5 euros. Dieu m'a donné pour acheter des choses pour ma fille. Then the Lord gave me 10 euros tip. Dieu m'a donné 10 euros que j'avais besoin pour ma fille. Then my faith elevated. Alors ma foi a grandi. I'm believing for hundreds. Alors j'ai cru pour demander pour ça. Lord, give me 300 to fix this one. Dieu donne-moi 300 pour cela. To pay for my electricity. Pour payer mon électricité. The Lord gave me 100. Alors Dieu m'a donné ces centaines. I'm done with hundreds now. Et maintenant je ne demande plus les centaines. Then I try 1,000. Après j'ai demandé plusieurs milliers. He already gave me 10,000. Alors il m'a donné plusieurs milliers. He already gave my wife 22,000. Et aussi à ma femme il m'a donné. We're believing for millions now. Amen. Glory of God. You receive your millions. How many of you are want to receive millions? I'm telling you, if you are going to receive millions, the first thing you should think is about God. La première chose si tu reçois pour les millions, c'est de penser à Dieu. God with your 5 million. De honorer Dieu avec tes 5 millions. Hallelujah. Oh yes. Because if you fail to manage your million, let's go back to zero. Parce que si tu ne gères pas bien ces millions, are we learning something today? Tu reviens à zéro. Now, let's continue. Alors nous continuons. Are you amazed with this teaching? Êtes-vous étonné par cet enseignement? There will be a sign. Il y a un signe. It's too small, but I can read it for you.
In the 2 Kings chapter 19 verse 29. 2 Kings chapter 19 verse 29. 2 Rois chapitre 19 verset 29. I will read it for you. It says, then Isaiah said to Hezekiah, here is the proof that what I say is true. He's telling us, this year you will eat only what grows up by itself, and next year you will eat what springs up from that, but in the third year you will plant crops and harvest them, you will tend vineyards and even their fruit. Alors en français, 2 Rois chapitre 19 verset 29, que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Amen. The scripture we were reading a while ago is in the book of Leviticus 25. Yeah. Cela correspond au livre des Lévitiques, ce que nous avons lu. Now the Lord is telling Hezekiah, I'm giving you a sign. Alors le Seigneur nous donne un signe. Tell the next person to you, God. God is going to give you a sign. Alors Dieu va te donner un signe. Tu vas me donner un signe. And I mark it red. It says, here is the proof that what I say is true. C'est, voici la preuve que ce que je dis est vrai. He's speaking about 3 years again. Il parle de nouveau de 3 ans. He doesn't want you to settle for months or days. Il ne veut pas seulement te parler de mois et de jours. He wants you to settle for years. Amen. Il veut te parler de d'années. Now, what is interesting? What is exciting? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est encourageant? In the 2 Kings chapter 19 verse 25. Alléluia. 2 Rois chapitre 19 verset 25. It says, there is a phrase down, okay? But you have not heard. I decided this long ago. Amen. N'as-tu pas préparé? J'ai préparé ces choses loin. Long ago, I planned it. Et ce que j'ai les ai résolus. And temps. Now I am making it happen. Amen. Ce que j'ai résolu dès les temps anciens, maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Everyone look at me. God is planning to bless you for 3 years, long time ago. Amen. Dieu a préparé de, pour te bénir depuis déjà longtemps. But if you won't believe, it won't happen. Et si tu ne crois pas, cela n'arrive pas. He is giving us a sign. Il donne un signe. He said, I have already decided you, Pastor Amar, to bless you for 3 years, long time ago. J'ai préparé pour Pasteur Amar de te bénir. I have already decided to bless you long time ago to bless you for 3 years. J'ai préparé Amen. De te bénir, Steve, pour 3 ans. Amen. I planned. God is planning to bless each one of us. Et Dieu, il a préparé pour nous bénir chacun de nous. Tu veux le croire? Hein? He is not just planning to bless you for 3 days or 3 months, but 3 years. Amen. Dieu veut non seulement te bénir pour 3 jours, 3 mois, mais aussi 3 ans. Amen. And here's the word, another word. Et voici la parole. Everybody say now. Now. Maintenant. He said, now I am making it happen. Hallelujah. Maintenant, j'ai permis qu'elle s'accomplisse. Hallelujah. Amen. I was listening to the preaching of Benny Hinn. J'ai écouté une prédication de Benny Hinn. There is one person who gave him $800,000. Just one person qui lui a donné 800,000 dollars. Just one person. Juste une personne. It means the million, the thousands that you are expecting from God is just one, one sign of a pen in the check. Ça veut dire que tout ce que tu peux attendre du Seigneur, juste comme ça, un moment, un chèque, c'est, peut répondre, une signature. In our church in Manila, dans notre église à Manila, there is one businesswoman. Il y avait une femme d'affaires. Who wrote 1 million peso to the church? Qui a écrit 1 million de pesos pour l'église? Un chèque de 1 million de pesos. The wealth of the wicked will be transferred for the righteous. Et ça a été transféré. And it's not going to happen. Et cela n'arrive pas. It's already happening. Cela est arrivé. It's the promise of God. Voici la promesse de Dieu. Amen.
I'm believing something. Je veux vous dire quelque Now, chose. Now, once you see the sign, si vous voyez le signe, there is still another sign. Il y a encore un autre signe. We call it acceleration. Amen. Nous pouvons l'appeler accélération. In the book of Amos, chapter 9, verse 13, dans le livre d'Amos, chapitre 9, verset 13, the days are coming, declares the Lord. Il est écrit, voici les jours viennent, dit l'Éternel. When the reaper will be overtaken by the plowman and the planters by the one treading grapes. Où le laboureur suivra de près le moissonneur et celui qui foule le grain, new celui qui répand la semence. New oil will drip from the mountains. Où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. And flow from all the hills. Now everyone look at me. Alors je voudrais regardez-moi. This is an extraordinary scripture again. C'est une écriture, c'est une parole extraordinaire. There are four persons involved here. Il y a quatre personnes courageuses ici. I need four persons to demonstrate quickly. J'ai besoin de quatre personnes courageuses pour montrer quelque chose. Je demande quatre personnes. I'm so excited. Il y a trois personnes. Il faut quatre personnes. If you are the reaper, et si vous êtes ceux qui moissonnent, if you are the reaper, si vous êtes le moissonneur, you cut the, vous prenez la moisson, vous prenez la récolte, vous prenez, vous coupez. There is one plowman who prepares the ground. Il y a quelqu'un qui prépare la terre, qui prépare les plants. And there is another one, the planter. Il y a un autre planteur qui plante. Il y a un autre qui plante. There is one, we call it treading grapes, the one who press the grapes, the fruit. Et un autre qui foule le raisin, qui marche sur la récolte pour qu'elle produit le vin. So what happens while he was while he is harvesting? Il y en a un qui prépare la terre, il y en a d'autres qui mettent la semence, d'autres qui prend la semence et d'autres qui marche sur le grain pour qu'elle produit le vin. While he is reaping, il y en a un, il moissonne. I want you to receive the revelation. While this person is reaping, il y en a un qui moissonne. The one who prepared the ground will overtake him. Il y en a un autre qui récolte. Il prend avec. While he's reaping, I will prepare the ground. I cannot wait for you to reap. I will prepare the ground. Il y en a, il prépare. Il y en a un autre, il prend la récolte. Et l'autre qui prépare le sol. The one who will plant will overtake the one who prepared the ground. He will overtake. Il y en a un qui plante, il y en a un qui moissonne, et il y en a l'autre. Now, the one who is planting, the one who is. Et l'autre. Because he's harvesting, the harvest will come to him. Jusqu'à ce que la moisson du raisin arrive et qu'on peut fumer le raisin. C'est la démonstration. Il y en a un qui sème. Il y en a un qui prépare le sol. And one, the one is planting, preparing the ground. The one who plants will overtake. Et il y en a un autre. À la fin, il presse le raisin. And then the one who plants will also overtake the one who presses the grapes. Et celui qui presse le raisin à la fin. That's why in the book of NLT it says. C'est pourquoi dans le livre d'Amos il dit. Thank you so much, my brothers and sisters. It says, the time will come, says the Lord. Et c'est pour ça qu'il est dit, le jour vient, dit l'Éternel. When the grain and the grapes will grow faster than they can be harvested. Amen. Et il va y avoir comme une accélération où le laboureur le suivra. Everyone look at me. Le moissonneur. There is something. There, God will release a special blessing. Il y a quelque chose que Dieu veut accorder une bénédiction. That instead of you will wait for 5 years, it will come to you in a month or in a week. Amen. There will be an acceleration. Because this is promise you don't need. Normally, when you plant rice, quand tu plantes du riz, you have to wait 6 months. Tu dois attendre 6 mois. But he said, no, I will make Mais it faster. Il dit, je vais faire. You can harvest in 2 months. You can harvest in 1 month. You can harvest it quickly. La moisson en 3 mois. There will be an acceleration of your blessing. Amen.
il peut y avoir une accélération du Seigneur. C'est la promesse du Seigneur pour nous. Amen. Are we learning something today? Je veux apprendre quelque chose aujourd'hui. Let's continue, Pastor. Je vais dire au pasteur un mot. Now, are you ready to experience God's special blessing? Veux-tu expérimenter la bénédiction spéciale de Dieu? Requirements. Il y a trois. Number one. Trois choses qui sont demandées. In order for us to experience God's special blessing, number one is. Comment expérimenter la bénédiction spéciale de Dieu? En premier. You must be an obedient. Premièrement, tu dois être obéissant. Tell the next person to you. You must be. Tu dois être obéissant. You must be an obedient. Now the scripture says in Isaiah chapter 1 verse 19, read it for yourself. Isaïe chapitre 1 verset 19, tu peux lire pour toi-même. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Si tu as un esprit bien disposé et si tu es obéissant, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. So if you are willing to obey God in France, you will eat the best of the land in the France. Si tu as la volonté d'obéir à Dieu en France, that's his promise in Isaiah chapter 1 verse 19. De Dieu en France. In the book of 1 Samuel chapter 15 verse 22. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22. He said, obedience is better than sacrifice. Je dis que l'obéissance est mieux. Oh, you have a lot of sacrifices. Oh Lord, I sacrifice, I serve you, I give. Tu peux faire beaucoup de sacrifices. The first thing he requires from you is your obedience. Mais la première chose que le Seigneur demande, c'est ton obéissance. And the next person to you, starting today. Et aujourd'hui, tu peux commencer. Obey God. Tu peux commencer aujourd'hui à obéir à Dieu. Most Christians ignore this command from the Lord. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce commandement du Seigneur ou l'ignorent. They serve God. Ils servent Dieu. They make sacrifices. Ils font des sacrifices. But they are disobedient. Mais ils sont désobéissants. In the book of Leviticus. Dans le livre de Let's continue, Pastora, please. In the book of Leviticus, chapter 26. Au chapitre 26. Where is our PowerPoint? On attend le PowerPoint. Leviticus 26, he made a promise. Il y a une promesse dans le livre de Lévitique, chapitre 26. It says in verse 2. Et cela dit au verset 2. Observe my Sabbath and have a river. For my sanctuary, I am the Lord. Observe mon sabbat et révérez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Then the next person to you, observe God's Sabbath. Observe the Sabbath. J'observe le sabbat. Observez. Now, if you obey His command, si tu obéis à ses commandements, the blessing from verse 3 until verse 13. La bénédiction du verset 3 au verset 13. It will happen to you. Va t'arriver. Amen. There are so many blessings and I can read you at least three. Il y a beaucoup, tellement de bénédictions que je peux te lire. In verse 6 it says, I will grant peace in the land. Je vais te donner la paix dans le pays. And you will lie down and no one will make you afraid. I will remove savage beast from the land and the sword will not pass through your country. Tu vas pouvoir avoir la paix, tu n'auras pas à craindre tes ennemis, tu vas pouvoir te reposer et tes ennemis vont tomber sous l'épée. And verse 9 it says, I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers. And I will keep my covenant with you. Je vais te rendre, je vais t'honorer, je vais te rendre fructueux, te donner du fruit, te multiplier et établir mon alliance avec toi. And there is another promise in verse 10. Mark your Bible. It says, you will still be eating the last year's harvest when you will have to move it out to make room for the new. Et au verset 10, il est écrit. Oh, how many of you understand what the word of God says? C'est ça, tu auras des anciennes récoltes, je vais te donner vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Amen. So, God promise, if you will obey Him, de Dieu sont, quand nous lui obéissons, God will send you a blessing, Dieu va nous envoyer une that the last year's blessing
que la bénédiction de l'année you will remove it from your barn, from your stock room. Va remplir notre grenier. You give it away. Et nous pourrons la donner. Because there are so much new things will come into your stock room. Parce que tellement les bénédictions vont rentrer, nous pourrons donner la bénédiction. It says in verse 10, alors, when you will have to move it out to make room for new. L'ancienne récolte fera place à la nouvelle récolte. It means there will be so much blessing that you have to remove the old blessing and give it out and start a new one. Cela veut dire qu'il y aura tellement de bénédictions que l'ancienne bénédiction, il faudra le donner pour qu'il y ait la place pour la nouvelle. Amen. That's the reason when we obey God. Tout ça parce qu'il y a d'abord l'obéissance à Dieu. It means the old blessing, the old your old old cars, old house, old things. Ça veut dire que les anciennes bénédictions, les vieilles voitures, old les work will be replaced with new ones. Tout ça va laisser place à short hours. Pour des nouvelles bénédictions. Short hours, big salary. Des plus grands salaires. When the man of God came last February. When the man of God, Apostle Abraham came, donc quand un homme de Dieu, le pasteur Abraham, he said, l'apôtre Abraham, I declare today, je déclare aujourd'hui, someone will be receiving, quelqu'un will be working short hours but big salary. Quelqu'un il va travailler peu de temps, pas beaucoup d'heures. I ran to the altar, Lord, I am retired, working 7 hours, and I plant my seed. I'm believing for it. Alors je plante ma semence, je crois à cela. Now. When I came back last January, quand je viens en janvier dernier, quand il est revenu en janvier dernier, I started my new work. J'ai commencé mon nouveau travail. The company is paying us 7 hours. Et pour 7 heures de travail, I only work for 2 hours. J'ai travaillé après seulement 2 heures, au lieu de 7 heures. It's happening. Et cela est arrivé, la grande bénédiction. Because I believe from the word of God and the declaration of the man of God. Parce que j'ai cru à la parole de Dieu. Et à la déclaration de l'homme de Dieu. If it happens to me, it will happen to you. Et comme ça va t'arriver à moi, ça peut t'arriver à toi aussi. That's his promise. C'est la promesse. If you obey him. Si tu lui obéis. The second thing. La deuxième chose. After you obey, you have something to do. Après que tu obéis, il y a une deuxième chose à faire. Just continue, don't move, please. Number two, be diligent in meditating God's word. Sois appliqué à méditer la parole de Dieu. If you want to experience God's blessing, special blessing in your life, you need to meditate His word. Si tu veux une bénédiction spéciale de Dieu dans ta vie, tu dois méditer la parole de Dieu. Amen. The word of God says in Joshua 1:8-9. La parole de Dieu dit dans Josué chapitre 1 verset 8-9. Do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you will be able to obey what is written in it. Then you will be prosperous and successful. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-la jour et nuit, et ainsi tu obtiendras du succès dans tes entreprises. So you need to. The word meditate means to memorize. Méditer la parole de Dieu signifie aussi la mémoriser, s'en souvenir. I'm not telling you to memorize the whole book. Je ne peux pas mémoriser tout le livre. But to memorize the promises of God for you. Mais je peux mémoriser, me souvenir des promesses de Dieu. Hallelujah. Once you memorize the word, the promise of God, quand tu commences à mémoriser la parole de Dieu, les promesses de Dieu, you store it in your heart. Cela vient dans ton cœur, vient te guérir, te restaurer dans ton cœur. And the word of God says, out of the abundance of your heart. Et Dieu dit, de l'abondance du cœur, the mouth speaketh. La bouche, elle parle. Amen. When you are in deep need of finances, quand tu es dans de grands besoins de finances, when you memorize Philippians 4:19, quand tu te souviens de Philippiens chapitre 4, and you 4, put it in your heart. Et que tu le mets dans ton cœur. And it says, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Et quand je dis, mon Dieu subviendra à tous mes besoins avec gloire en Jésus Christ. You have the power to declare the blessing. Tu as la puissance de déclarer la bénédiction. Because you meditate the word. Parce que tu as médité. Because you memorize the word. Parce que tu t'es souvenu de la parole de Dieu. Day, not only day and night, morning, afternoon,
and evening. Amen. Jour, nuit, après-midi, jour après jour. And when this word become will embrace your heart. Ah, cette parole, elle remplit ton cœur, elle serre ton cœur. The moment elle est serrée dans ton cœur. The moment you speak the word, it will manifest. Et quand tu vas dire la parole de Dieu, cela va se manifester, cela va arriver. When Joshua said, "Son, stop going to the sunset." Quand Josué a dit au soleil de s'arrêter dans le ciel, the sun did not move. Le soleil n'a pas bougé. The sun obeyed the word of Joshua. Le soleil a obéi à la parole que Josué a dit. Because the word of God was engrafted in his heart. Parce que la parole de Dieu était dans son cœur. And when he speak out the word of God, it obeys. Il a dit de sa bouche la parole de Dieu. Alors la chose est arrivée selon la parole. Whatever your circumstances right now. Et ainsi maintenant. If you meditate the word of God. Médite la parole de Dieu. If you memorize the word of God. Mémorise, tu t'en souviens. And if you do the word of God. Si tu fais ce comme dit la parole. When you speak it out, it will happen. Et tu déclares la parole de Dieu avec la foi, cela arrive. Hallelujah. And many Christians are very lazy. Et beaucoup de chrétiens sont lazy. Fainéants. They only read the Bible once every Sunday. Ils lisent seulement une fois la parole de Dieu le dimanche. They try to make a quiet time, then after they will sleep. Ils prennent un petit temps et après ils s'endorment. It's true. C'est vrai. Yes. Because it happened to me. Yes. C'est vrai parce que cela m'est arrivé à moi. Oh Lord, I meditate to you too early. Oh Seigneur, je médite ta parole, je m'endors. You are too lazy to read the word of God. Tu es trop fainéant pour lire la parole de Dieu. That's why you are not receiving His special blessing. C'est pourquoi tu ne reçois pas sa bénédiction spéciale. I will learn it today. Aujourd'hui, je vais apprendre. So you need to think, to memorize, to speak, and to do the word daily. Je veux penser à la parole, me souvenir de la parole, dire et faire ce que la parole me déclare chaque jour. And the last one. Et le dernier point. Okay, be faithful. Sois fidèle. Be faithful in giving. Sois fidèle en donnant. Sois fidèle dans l'offrande. Now, when it comes to giving, many Christians are struggling. Beaucoup d'épreuves. Quand il y a le moment de donner, c'est une épreuve pour beaucoup. They cannot give their time to God. Ils ne peuvent pas donner leur temps à Dieu. Leur dîme à Dieu. Time, I'm thinking about time. Le temps à Dieu. I'm not speaking about the tithes, time. Excusez-moi, ils ne peuvent pas donner leur temps à Dieu. You work hard during Sunday. Tu travailles dur le samedi. You don't give your time to God. Et tu ne donnes pas ton temps à Dieu. And God is requiring you also to give your tithes. Et Dieu te demande aussi de donner ton temps. La dîme. That's the dîme. Le deuxième point, la dîme. And the Lord says in the book of Leviticus 27:30. Et Dieu dit dans le livre des Lévitiques, au chapitre 27, verset 30, the tithe is holy and it belongs to God. La dîme, c'est donner ce qui appartient à Dieu. Amen. How many of you are giving your tithes to the Lord? Combien donnent leur dîme à Dieu? Some of you are afraid to raise your hands because they are not giving their tithes. If you want to experience the 3 years, certains ont peur de lever la main parce qu'ils ne donnent pas la dîme à Dieu. Obey the word. Si tu veux expérimenter la bénédiction, I'm not telling you to give your tithes to receive the 3 years. Et tu donnes la dîme, tu veux recevoir pour 3 ans, alors tu donner la dîme, c'est. Because God is looking at your heart. Dieu d'abord, il regarde à ton cœur. Oh Lord, I give my tithes so that I will receive my 3 years provision. Tu peux recevoir 3 ans de provision. It's wrong. Et sans que ton cœur soit à Dieu, c'est faux. Fix your hearts first. D'abord, regarde à ton cœur. Dieu voit ton cœur. Then, considère ton cœur. Then, Lord Jesus. Et Seigneur Jésus. This 10% of my salary. C'est 10% de mon salaire. It belongs to you. Cela te appartient. I honor you. Je t'honore. That's the way how you are going to receive a special blessing from the Lord. C'est la façon de recevoir la bénédiction spéciale de Dieu. I'm challenging you, each one of you now. Je vous mets au défi, chacun de vous, maintenant. No matter what happened, qu'importe ce qui peut arriver. If there's any emergency in your life, anything. Il peut arriver telle ou telle chose dans ta vie, n'importe quoi. Don't change your attitude. Yes. Ne change pas ton attitude, ta disposition. Don't take your 10% from the Lord.
de donner tes 10% pour le Seigneur. Because the moment you honor God with your tithes, du moment que tu honores Dieu avec ta dîme, He will take care of your problems. Il va prendre soin de vos problèmes. That's why many of you are having a problem. C'est la raison pour laquelle beaucoup ils ont des problèmes. Because you are taking what belongs to God. Parce que tu prends ce qui appartient à Dieu. And you complain, Lord, why I don't have work? Alors tu dis, Seigneur, pourquoi je n'ai pas de travail? When God gave you work for 1 month, Dieu t'a donné le travail pour un mois. You do not honor God with your tithes. Et tu n'as pas honoré Dieu avec ta dîme. God did not take it away from you. Alors Dieu ne s'est pas éloigné de toi. The devil take it from you. Mais c'est le diable qui t'a éloigné de Dieu. Because he is a thief. Parce qu'il est un voleur. The devil said, oh, he is not a tither. Le diable dit, c'est pas le... No insurance. Ce n'est pas une assurance. And I will bring calamity to his work. Alors il veut te voler. That's what happened to your work. Et c'est ce qui arrive à ton travail. You should understand the importance of tithing. Voici, je veux vous montrer l'importance de la dîme. You give your tithes because you honor and love God. Amen. Tu donnes la dîme parce que tu aimes et honores Dieu. Amen. Tell the next person to you. Starting today. Il y a quelqu'un qui peut commencer, tu peux décider de commencer aujourd'hui. Starting today, honor God with your tithes. Aujourd'hui, tu peux commencer à honorer Dieu par la dîme. Tu peux décider de commencer pour honorer Dieu par la dîme. I don't need to convince you to give. Je ne veux pas te convaincre par moi-même. It's not for my benefits. Ce n'est pas pour mon bénéfice. It's your benefits. C'est ton bénéfice. Because you are going to receive the God's special blessing. Amen. Pour recevoir la bénédiction spéciale de Dieu. Number two, give your offering. Deuxième point, donne ton offrande. Now everyone look at me. Regardez-moi. Many Christians are excited to give their tithes. Beaucoup de chrétiens sont enthousiastes pour donner leur dîme. But they forget to give their offering. Mais ils oublient de donner leur offrande. Oh, they gave 200 euro tithes. Ils donnent 100 euros de dîme. No more offering. Mais plus d'offrande. You don't give to the Lord yet? Tu ne donnes pas pour le Seigneur maintenant? The 200, 100 you give, it belongs to God. Tu as donné ce qui appartient à Dieu. Et it belongs to God. Tu as donné ce qui appartient à Dieu. Your offering comes from you that you offer to God. Et l'offrande, c'est ce que tu offres à Dieu. That's why the Lord said in Exodus chapter 25 verse 2, he said, bring me an offering, it is required. Et Dieu demande dans la parole Exodus 25 verse 2. 25 verset 2. It says, bring me an offering. Apporte-moi une offrande. God is requiring each one of you when you appear before the Lord, bring an offering to him. C'est ce que le Seigneur demande, de lui apporter une offrande aussi. The Lord said, do not appear before me empty-handed. Ne viens pas devant moi avec des mains vides. Amen. Yes. C'est le Seigneur. The Lord is the King of Kings. Le Seigneur est le roi des rois. Amen. When you visit a king, quand vous visitez un roi, the God will say, where is your gift? Alors le Seigneur dit, où est ton offrande, où est ton don? Then you can go inside. Alors tu peux aller au dedans, tu peux entrer dans la maison. And now you visit the King of Kings, you are not ashamed. You don't have nothing. Tu vas rendre visite au roi des rois. Est-ce que tu n'as pas honte si tu viens sans rien, les mains vides? I have corrected one sister. J'ai corrigé une sœur. She told his pastor. Elle m'a dit qu'elle est pasteur. When I give my tithes, it's according to what I have decided. Elle a dit à son pasteur, pardon. Elle a dit à son pasteur, la dîme, c'est quand je. When I give my tithes. Quand je donne la dîme, c'est que je l'ai décidé. It's according to my heart. C'est dans mon cœur. I said, you are wrong, my sister. Alors je lui ai dit, tu as tort, ma sœur. It's not what you have decided according to your heart. La dîme, ce n'est pas ce que tu as décidé selon ton cœur. It's automatic 10%. C'est automatiquement 10%. You decide in your heart or not to decide, it's automatic 10%. Tu as décidé dans ton cœur ou tu n'as pas your décidé offering dans ton is cœur, the one what you have decided 10%. In your heart. L'offrande, c'est ce que tu as décidé dans ton cœur. Amen. Yes. That's the big difference.
C'est une grande différence. Many of you are expecting beaucoup to be blessed, attendre la bénédiction, but you don't give your offering. Mais ils ne donnent pas l'offrande. You don't have harvest. Alors ils n'ont pas la récolte. Your harvest will depend on your offering. Ta récolte va dépendre aussi de ton offrande. Are we learning something today? Je veux apprendre quelque chose aujourd'hui. It says, give also your first fruit. Donne aussi le premier fruit. Les prémices de tes fruits. Les prémices. In the book of Proverbs chapter 3. In the book of Proverbs chapter 3 verse 9. I will close this one quickly. Au Proverbe, dans le livre des Proverbes, chapitre 3 verset 9 et 10. You are very silent today. Vous êtes très, très calme, très silencieux. It says in Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops. Au Proverbe 3:9, il est écrit, honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. And then what says in verse 10? Then your barns will be filled with overflow and your vats will brim with the new wine. Il est écrit au verset 10, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Have you seen the condition of giving your first fruit? Alors tu vois la nécessité de donner les premiers fruits de ta récolte. This is your offering. This is your offering. C'est ton offrande. And many of you miss this blessing because you ignore giving your first fruit. Alors tu peux manquer la bénédiction parce que tu ne donnes pas le premier fruit de ta récolte. You should honor the Lord with your first fruit. Mais si tu honores le Seigneur avec les premiers fruits, give to God through your pastor. Alors tu donnes au Seigneur, au pasteur. And your pastor will wave it to God. Lord bless the person who gave his first fruit. Alors le pasteur, il peut, en présentant au Seigneur, prier la bénédiction pour cette personne. Demander la bénédiction pour cette personne. The last one, the third one. Le dernier point, troisième. Give to the man and woman of God. Donne à l'homme et à la femme de Dieu. In the First Kings chapter 17, verse 13, verse 14. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 13 et 14. King Elijah said, give it to me. Le prophète Élisée, il rencontre la femme, il lui dit, donne-moi. Then, the rest is for you. Et le reste sera pour toi. Oh, it's better to read it in First Kings. Dans 2 Rois. First Kings 17, 13 to 14. 1 Roi 17, verset 13 et 14. It says, Elijah said to her, don't be afraid. Tell the next person to you. Don't be afraid. N'aie pas de peur. Go home and do as you have said, but first make a small cake of bread for me, for what you have, and bring it to me, and then make something for yourself and your son, for this is what the Lord, the God of Israel, says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry, until the day the Lord gives rain to the land. Élie reprit, sois sans crainte, rentre. Fais ce que tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra point, ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Everyone look at me. How many of you are experiencing combien ont expérimenté financial problems? Des problèmes financiers. This woman is experiencing financial problems. Cette femme est en train d'expérimenter des problèmes financiers. She said, I have nothing to eat. Elle dit, je n'ai rien nothing. À manger. Rien. And the man of God says, give it to me. Et le Seigneur, l'homme de Dieu lui dit, donne-moi. When you bless the man of God, quand tu bénis l'homme de Dieu,
He will pray for the small one you have. Il va prier pour ce qui lui est apporté, pour ce que tu as. And then God will pronounce a blessing. Et Dieu va prononcer une bénédiction. And multiply the rest that you have. Et multiplier le reste de ce que tu as entre tes mains. Amen. That's why in verse 10 it says. C'est ce qui est dit au verset 10. Amen. The woman has plenty until the drought is finished. Verset 14. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Amen. Then the next person to you, starting today. Alors tu peux l'expérimenter. Je commence aujourd'hui. Honor the man and woman of God. J'honore l'homme et la femme de Dieu. I will learn something today. Je vais apprendre quelque chose. Second to the last. Dans le pot. Dernier point. Pour les pauvres. If you want the blessing of the Lord will flow upon your life, special blessing, you need to bless the poor. Si tu veux que la bénédiction de Dieu abonde dans ta vie, alors bénis aussi le pauvre. It says, to the one who gives to the poor, the Lord he lends to the Lord. Parce qu'il est écrit, celui qui donne aux pauvres, il donne à Dieu. So make it a habit that every month you find someone that is poor and bless him. Amen. Alors chaque mois, tu peux décider, avoir dans ton cœur, de trouver quelqu'un qui est pauvre et le bénir. Don't bless the person next to you. Ne bénis pas les personnes qui sont proches de toi. Poor. Parce que ceux qui sont proches de toi, she is rich. Ils sont pas pauvres. Rich. Il y en a des riches à côté de toi. The poor are outside. Les pauvres, ils sont dehors. The last one. Le dernier point. Give to the mission. Donne à la mission. Many Christians are ignoring this giving. Beaucoup de chrétiens ignorent cette offrande, ce don. Supposed to be Pastor Omar will be going to Madagascar. Supposez que le pasteur Omar va aller à Madagascar. I supposed to go to the Madagascar. Par exemple, moi aussi je vais aller à Madagascar pour la mission. Because I don't have the mission fund. Mais parce que je n'ai pas les fonds. He has la mission, no mission fund. Et lui non plus n'a pas les fonds. We're not able to minister there. Alors il ne peut pas aller là-bas accomplir le ministère. When you support the mission, quand tu supportes la mission, tu apportes. Even if you don't travel, ton offrande à la mission. You are going with the person who travels, amen, going to the mission. C'est comme si tu vas avec la personne pour accomplir la mission. Amen. Amen. I'm gonna close this one. Amen. Je vais. Terminer avec ceci. It's very simple. C'est vrai, très simple. Be obedient. Sois obéissant. Meditate the word of God. Médite la parole de Dieu. Amen. And then be faithful in your giving. Et sois fidèle dans la dîme et les offrandes. Try to practice these three. Essaye de pratiquer ces trois points. You will see the difference. Et tu verras la différence. I will learn something today. Je vais apprendre quelque chose aujourd'hui. Nous allons commencer.